Donc, on va tranquillement s'installer sur notre tapis et je vous invite à avoir de l'eau à proximité pour pouvoir boire un grand verre d'eau pour notre méditation en fin de pratique. Donc, et puis toujours, c'est toujours bien d'avoir un verre d'eau à côté de soi quand on pratique, même s'il ne faut pas trop boire non plus, mais... Là, en l'occurrence, pour cette méditation, un petit verre d'eau à côté de votre tapis, c'est super. Ou une petite gourde, ou un petit thé, quelque chose qui vous hydrate. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une séance. Donc on va essayer quand même de mettre de la musique, même si on se fait un petit peu embêter à cause des droits d'auteur. Donc je ne pourrais pas vraiment vous mettre de mantra et de belle musique de Kundalini. Mais bon, c'est pas grave, j'ai trouvé une petite musique quand même d'ambiance parce que c'est toujours bien de faire donc la séance en musique. Donc ça va pas être de la musique Kundalini à proprement parler, mais ça va être quand même une musique qui va vous apporter calme et détente pendant votre pratique. Et vous faire un petit peu oublier tous les petits bruits qu'il y a autour. Donc voilà, donc c'est si vous avez envie après d'enregistrer cette vidéo, vous pouvez l'enregistrer et repratiquer vous avec une musique, une playlist de votre choix, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi, donc n'hésitez pas à commenter, à poser des questions après, c'est mieux. Comme ça, de toute façon, moi je ne vais pas lire les commentaires pendant la pratique. Donc... je pourrais répondre à toutes vos questions, si vous en avez, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte qui sera mis en commentaire dans l'enregistrement de la vidéo. Et c'est une vidéo que vous pourrez retrouver sur le compte de Yogam Yoga, donc normalement, indéfiniment, sauf si Instagram joue des tours, mais a priori ça ne devrait pas être le cas. Puisque on respecte cette petite contrainte de musique. Donc voilà, on va commencer puisqu'il est 18h31. Donc comme je le disais, très important, une petite gourde avec de l'eau ou un petit verre d'eau à côté de vous pour notre méditation en fin de pratique. Vous pouvez prendre un tapis comme moi, qui est un tapis yogam, donc en mouton, c'est très agréable pour le Kundalini, ou le tapis de votre choix. N'hésitez pas à prendre un support aussi pour les postures assises, surtout lorsque l'on médite. Après, pour tout ce qui est posture assise, mais où on va bouger, je vous déconseille d'avoir un support sous les fesses. C'est juste pour bien garder la colonne alignée. Donc la séquence que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être une séquence pour éveiller nos 10 corps. Donc en Kundalini, on considère que nous avons 10 corps. Non, pas juste un corps physique. Nous avons 3 corps mentaux et nous avons 6 corps que l'on va appeler des corps un petit peu plus énergétiques. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur chacun des corps. Vous pourrez trouver des petites notes justement sur mon compte Instagram où j'explique à quoi correspondent les différents corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que vous êtes peut-être un peu plus familier ou familière de tout ce qui est chakra, puisqu'en yoga, on utilise beaucoup ces références aux chakras qui sont des centres énergétiques. Ben, nos 10 corps, c'est un petit peu la même chose. Lorsqu'il y a un déséquilibre dans un des corps, ben, ça peut se manifester par une maladie et des émotions un petit peu négatives ou un petit peu excessives, ou bien des problèmes physiques. Donc c'est toujours bien, quand vous pratiquez assez régulièrement, de justement refaire cette séance parce que même si vous n'arrivez pas à savoir quel corps est déséquilibré, et bien avec cette séance, vous allez pouvoir rééquilibrer la totalité de vos 10 corps. Donc je vous invite à vous asseoir dans une posture confortable. Nous allons ouvrir notre espace de pratique en plaçant les paumes de main l'une contre l'autre. Fermez les yeux, allongez bien la colonne vertébrale et vous allez prendre une respiration profonde par le nez. Inspirez et expirez.
Et nous allons inspirer pour chanter trois fois le mantra Ong Namo Gurudev Namo. C'est le mantra par lequel on s'incline face à notre propre sagesse et face à la sagesse des enseignants qui nous ont précédés. Donc inspirez. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Om Namo. Inspirez une dernière fois. Om Namo Gurudev Namo. Et inspirez profondément. Au sommet de votre inspire, retenez le souffle et serrez ce qu'on appelle Mula Bandha, le verrou racine. Imaginez que vous contractez le nombril, le périnée, serrez votre verrou, retenez l'énergie, retenez les vibrations du mantra et expirez, relâchez. Vous pouvez ouvrir les yeux, placer les deux mains sur les genoux et peut-être changer le croisement des jambes. Installez-vous de façon à avoir les deux ischions au sol et on va commencer par un exercice d'assouplissement de la colonne vertébrale qui s'appelle le moulin de Soufi. Donc on va faire des cercles comme ceci avec la colonne. On inspire en avant et on expire en arrière. Donc c'est juste votre colonne vertébrale qui va bouger, un petit peu comme un pivot. On reste dans le même sens pour l'instant et surtout gardez bien le menton parallèle au sol. On travaille juste sur la colonne vertébrale. Et quand vous avez assez d'aisance dans votre mouvement, vous pouvez fermer les yeux. On reste toujours dans le même sens, peu importe le sens qui vous est venu naturellement. Essayez d'agrandir les cercles au fur et à mesure. Allez chercher loin devant, loin en arrière. On reste toujours dans le même sens. Et on inspire au centre et on expire de l'autre côté et on change de sens. Et sans vous juger, notez s'il y a des différences entre les deux côtés. Il se peut qu'il y ait des petits craquements. Gardez bien le menton droit, la tête droite. Ne penchez pas le regard vers le sol. Et vous allez inspirer au centre et expirer. On va passer à quatre pattes pour un petit échauffement de la colonne vertébrale. Donc les poignets sous les épaules. On va inspirer, on creuse le dos et on expire, on arrondit. Inspirez, expirez.
quand vous avez plus d'aise dans le mouvement, je vous invite à accélérer. Ouvrez bien la gorge. Fermez les yeux, essayez de placer la concentration au troisième œil, continuez. Et si vous n'arrivez pas à rentrer dans la posture, répétez-vous mentalement Sat Nam. Je suis la vérité. Et vous allez inspirer, creuser le dos, ouvrez bien la gorge. Expirez, venez vous placer dans la posture de l'enfant, le front au sol, les deux mains jointes. Et sur une inspiration, je vous invite à vous redresser. Et on va commencer notre kriya. Donc vous allez vous allonger dans cette première posture qui est la posture d'étirement. Donc d'office, je vais vous conseiller de placer les mains au niveau du bas du dos. Donc peut-être que vous n'allez pas voir bien mes pieds, mais il n'y a pas grand chose à voir, hein, vous inquiétez pas. Donc je m'allonge comme ceci et je lève mes pieds et ma tête à 15 cm du sol à peu près. Le regard est sur mes orteils. Essayez de joindre vos deux pieds et de fixer le V qui est entre vos deux gros orteils. Et on commence la respiration. La respiration du feu, c'est inspire et expire de façon dynamique et le ventre va bouger. Sauf si vous êtes enceinte, vous ne faites pas cette posture, vous restez allongée au sol. Et si vous êtes dans le deuxième jour de vos lunes, mesdames, vous ne faites pas la respiration du feu. Vous respirez avec une respiration lente et profonde. Et on est là pour une minute. C'est parti. Donc respiration du feu. Vous devez vous entendre respirer. Si vraiment c'est trop dur, posez une jambe au sol. Et levez juste une jambe et vous faites 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre. D'accord? Et pour sortir de cette posture, on va inspirer. On serre Moulabandha, on serre, on contracte le périnée, le nombril. Et on expire, on se relâche complètement au sol, on pose les mains à côté des hanches, allongez-vous, fermez les yeux et observez le feu que vous avez créé au niveau de votre troisième chakra. Donc vous avez stimuler le pouvoir de la volonté, c'est vraiment un chakra et un centre énergétique qui est très important de renforcer pour vraiment avoir de la volonté, avoir de la force lorsque l'on demande, lorsque l'on veut quelque chose. Donc c'est un centre énergétique très puissant. Donc ensuite, vous allez ramener les genoux sur la poitrine, vous levez la tête. Vous croisez les doigts sur les genoux et c'est pareil, respiration du feu. Sauf si vous êtes enceinte ou si vous avez vos lunes, vous ne faites pas la posture. Hein. Si vous avez vos lunes, vous respirez avec une respiration lente et profonde. Donc la respiration du feu, on inspire et on expire d'une façon puissante.
Fermez les yeux. Si vous avez des douleurs au niveau de la nuque, c'est normal. Vous pouvez baisser la tête et après la relever. Ou sinon, gardez la tête au sol. Allez, on y est presque. Encore 30 secondes. Et vous allez inspirer profondément. Retenez le souffle, serrez le verrou racine. Et expirez, allongez-vous au sol, allongez vos jambes au sol. Intégrez la posture, c'est toujours bien d'avoir un petit temps de détente entre les postures. Pour bien intégrer les effets des postures et laisser et sentir surtout l'énergie circuler. Et ensuite, vous pouvez ramener vos genoux sur la poitrine et vous allez rouler 3 fois sur la colonne, comme ceci, pour venir vous asseoir. D'où l'importance d'avoir un tapis de bonne qualité, parce que sinon, au niveau du dos, c'est pas très agréable. Donc, on va se replacer avec les jambes croisées dans ce qu'on appelle la posture facile. Sukhasana. Et la troisième posture que l'on va faire, c'est celle de l'éradicateur de l'ego. Donc vous allez placer vos bras en V comme ceci. Et je rapproche mes mains pour que vous voyez, vous repliez les doigts sur la partie charnue de la paume de la main, de chaque côté, comme ceci. Vous étirez juste les pouces, ne soulevez pas trop les épaules. On va fermer les yeux et toujours pareil, respiration du feu. On inspire et on expire puissamment par le nez. Et naturellement, on a le nombril qui bouge, qui rentre vers l'intérieur à chaque expire, comme si on avait un coup de poing qui était donné dans le ventre. Mais surtout, ce n'est pas à vous d'activer le ventre. Ça va se faire naturellement. Vous pensez juste à inspirer, expirer. Et si vous avez volume, vous faites une respiration lente et profonde. Donc, l'importance de l'angle des bras, n'ayez pas les bras trop écartés ni trop rapprochés, c'est vraiment cet angle du V comme ceci. On va travailler sur le méridien cœur-poumon. Et gardez bien une respiration rythmée. Donc cette respiration du feu, elle va nettoyer les poumons, elle va régénérer les cellules. Et essayez de vraiment garder votre regard à l'intérieur. Et
et concentrez-vous sur le point entre les sourcils. Et on va inspirer, et en même temps que l'on inspire, on va joindre les deux pouces au-dessus de la tête. Étirez les doigts vers le ciel. Retenez le souffle, serrez votre verrou racine. Essayez de retenir au maximum votre souffle. Et expirez lentement en balayant votre champ électromagnétique tout autour de vous et posez vos doigts au sol pour vous ancrer à la terre. Gardez les yeux fermés quelques instants. Ne vous écroulez pas sur la colonne. Respirez. Et pour la suite de notre kriya, on va écarter les jambes, les orteils pointent vers le ciel, peut-être que vous ne voyez pas mes orteils. Et on va inspirer, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expire, on descend sur la jambe gauche. On inspire dos droit et on expire à droite. Et on continue. Par le nez, hein, bien évidemment, la respiration. Allez-y. Si vous n'arrivez pas à toucher vos orteils, ce n'est pas grave. Hein. Inspirez, allongez bien le dos, étirez bien les bras vers le ciel, grandissez-vous et expirez, allez chercher loin sur le côté, soit à droite, soit à gauche. Essayez de garder au maximum les deux ischions au sol. Naturellement, l'ischion, quand vous penchez à gauche, à droite, va un petit peu se soulever. Mais essayez de mettre du poids pour garder bien les deux fesses au sol. Étirez-vous à partir des côtés de la taille. Grandissez-vous et respirez. Vous pouvez aller jusqu'à 3 minutes par posture. Et en général, c'est de 1 minute à 3 minutes selon vos capacités du jour. Et vous pouvez faire ce kriya pendant 40 jours. Pour vraiment bénéficier de tous les bienfaits de cette pratique. Et inspirez en l'air, crochetez les pouces, étirez les bras vers le ciel et expirez, relâchez les bras sur les côtés. Replacez-vous bien, on va garder les jambes écartées. Et cette fois, vous allez attraper soit vos gros orteils, soit vos chevilles, soit juste les tibias. Aucune importance, ça dépend de votre souplesse. L'idée, c'est d'essayer d'avoir les bras tendus. Alors, je vous montre ce qu'on va faire. On va inspirer, on étire la colonne dos droit et à l'expire, on essaye d'amener le front vers le sol. Inspire, expire. Thank you.
À l'expire, on a les coudes qui se plient. Et à l'inspire, les coudes se tendent. Essayez de trouver votre rythme avec votre respiration. Laissez la respiration guider le corps et pas l'inverse. Allez, encore 20 secondes. Et on inspire, dos droit, serrez Mulabandha, retenez le souffle et expirez, relâchez. Ramenez les deux jambes l'une contre l'autre et je vous invite à bouger un petit peu les jambes, tapoter un petit peu sur vos jambes, sur vos muscles. Et on va passer à la suite du kriya. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous refaites ce kriya un petit peu plus tard, à vous allonger entre chaque posture pour vous reposer, pour bien les intégrer. Vous mettez sur pause et vous vous allongez, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est vraiment très bénéfique aussi. Donc on va se placer comme tout à l'heure dans la posture de Sukhasana, posture facile, easy pose. Donc au choix, vous placez un tibia devant l'autre, celui qui vous vient naturellement. On ne va pas placer de support sous les fesses. On attrape la jambe qui est devant nous au niveau de la cheville et du tibia, du bas du tibia. Et on va inspirer en creusant le dos. On avance la poitrine et on expire, on arrondit. Mais alors regardez, mon visage reste bien droit. Mon menton est bien parallèle au sol. C'est juste une flexion de la colonne vertébrale. Allez, c'est parti. Je me mets de profil comme ça, peut-être que vous verrez mieux le mouvement. On inspire et on expire. Et c'est pareil, vous pouvez vous répéter Sat Nam, Sat Nam, mentalement, en fermant les yeux. Et toujours votre attention au point entre les sourcils. Et vraiment, prenez conscience de cette énergie Kundalini qui se réveille, qui monte le long de votre colonne vertébrale. La respiration est puissante par le nez. On doit s'entendre respirer. Allez vraiment chercher le souffle. Imaginez que vous voulez en prendre au maximum, que vous voulez vraiment vous remplir de toute cette énergie de la respiration, de tout ce prana. Écoutez votre corps, s'il y a des douleurs au niveau des lombaires, essayez d'avoir un petit peu moins d'amplitude au niveau des mouvements. Et sachez que dès qu'on travaille sur l'assouplissement de la colonne vertébrale, on aide le corps à rester jeune. En médecine chinoise, il est dit justement que la jeunesse d'une personne se mesure à la souplesse de sa colonne vertébrale. Donc allez-y, hein.
pour rester jeune, travailler sur le dos. Et on va inspirer. Retenez le souffle, serrez bien l'avant-bas. Et expirez, relâchez. On va tout de suite passer à genoux. Donc là, vous pouvez mettre un petit support sous les talons, si besoin. On pose les mains sur les cuisses et on fait la même chose. On travaille encore sur notre colonne vertébrale. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Le menton bien droit. Quand le mouvement est bien intégré, bien compris, je vous invite à fermer les yeux et à placer votre attention, toujours pareil, sur ce troisième œil. Donc normalement, si vous sentez bien ce qui se passe au niveau du dos, on est un petit peu plus haut, on est presque au milieu du dos. Donc au fur et à mesure, on monte, au fur et à mesure de notre pratique, on est parti plutôt vers le bas du corps et on remonte. Hein. Et vous allez inspirer, creuser le dos, retenez le souffle et expirez, relâchez. Vous pouvez rester sur les genoux ou revenir vous asseoir les jambes croisées. On va maintenant un petit peu travailler sur les organes, sur le foie notamment, tout en travaillant encore sur ce méridien cœur-poumon. Donc ici vous allez placer les mains sur les épaules, comme ceci. Et on va inspirer à gauche et expirer à droite, toujours par le nez. Inspire, expire. Allez-y. Essayez de bien garder le haut des bras parallèle au sol. Fermez les yeux pour ne pas trop avoir la tête qui tourne. Et observez les sensations. Normalement, vous devez peut-être... c'est possible que vous ayez un petit peu des nausées quand vous faites ce mouvement. C'est normal. Respirez bien, ça va passer. Oxygénez-vous. Expirez bien aussi. Allez, continuez encore un petit peu. Encore 15 secondes. Et vous allez inspirer au centre. Gardez les bras parallèles au sol, les mains sur les épaules, serrez Mula Bandha. Le verrou racine. Et expirez. Ne bougez pas les mains. On va garder cette même posture au niveau des mains. Mais cette fois-ci, on va inspirer et amener les mains derrière la tête en montant les coudes. Et on expire, on relâche. D'accord? Inspire, expire. On reste juste une minute dans la posture.
Inspire les coudes vers le haut. Expire, coude parallèle au sol. La respiration est toujours dynamique. Ne perdez pas le rythme, continuez. Essayez d'imaginer vos organes en parfaite santé, tout propre, purifié, nettoyé par ce mouvement, par cette respiration, par la circulation que vous favorisez. Et on va inspirer les coudes en l'air, serrez Mula Bandha, expirez, relâchez. N'hésitez pas à bouger un petit peu, à changer votre posture, à vous asseoir jambes croisées si vous avez mal au genou, ou à mettre à replier votre tapis, ou à mettre un coussin sous les genoux, sous le dessus des pieds. Donc, ensuite, prochaine posture, on va placer nos mains dans le mudra du verrou de Vénus, Vénus Lock. Donc, vous allez croiser les doigts et vous allez bien placer, je vous montre, vos pouces parallèles. Ça, c'est très important. Donc, on croise les doigts, on n'a pas forcément les paumes de main qui se touchent, hein, sinon on aura un petit peu de mal avec les pouces. Donc, on garde bien les pouces parallèles, on croise les doigts et on va inspirer. Comme ceci, et on expire. Comme si on coupait du bois, comme un bûcheron, d'accord? Donc, en général, les femmes, c'est pouce gauche sur pouce droit, et les hommes, c'est l'inverse. Bon, c'est ce qui vient naturellement, normalement, mais sinon, c'est pas grave. Les femmes, vous placez le pouce gauche sur le pouce droit. Et vous replacez bien vos pouces de façon à ce qu'ils soient presque parallèles. Et vraiment, ce mouvement va vous apporter beaucoup d'énergie. C'est un mouvement qui dynamise. Relâchez les épaules, ne mettez aucune tension dans les épaules. Ce sont vos mains qui tirent vos bras. Et votre respiration qui va vous aider à lever vos bras. On est juste là encore pour 30 secondes. Et on inspire, les bras en l'air, serrez bien le verrou racine, retenez le souffle, concentrez-vous sur l'espace entre les sourcils et expirez, balayez tout autour de vous. Reposez vos mains au sol et venez vous placer dans la posture facile, jambes croisées. Vous pouvez placer un support là sous les fesses si vous en avez besoin. Et pour la posture suivante, on va simplement lever l'épaule gauche à l'inspire et à l'expire, on la rabaisse. Et on lève l'épaule droite du coup, d'accord? Inspire, on monte la gauche, expire à droite. Alors ça, c'est très bon pour relâcher les tensions au niveau des trapèzes. Surtout quand on est assis toute la journée et qu'on travaille comme ceci, penché sur un ordinateur, sur un écran ou qu'on écrit beaucoup. Donc ne mettez pas de tension, relâchez. Il faut quand même que ce soit assez dynamique. Donc laissez-les retomber, ces épaules.
Montez-les avec puissance en inspirant par le nez et à l'expire, elles retombent. Une après l'autre. Et maintenant, on va changer. On inspire épaule droite, on expire épaule gauche. Bon, ça demande une petite coordination, mais je suis sûre que vous pouvez l'arriver. Et puis si vous vous trompez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous fassiez du bien et que vous relâchiez toute cette tension que vous gardez au niveau de cette zone du corps. Et puis de toute façon, vous allez voir, après, on va faire les deux. Alors, et on inspire et on relâche. On va continuer, comme je vous disais. On inspire, on monte les deux épaules. On expire, on les relâche. Hop. Hop, 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 inspire, expire. Et normalement, vous devez les sentir presque rebondir hein, quand vous les relâchez, ces épaules. Et sentez vraiment comme on essaye de détendre tout le corps en le faisant bouger. Les corps. Donc ça reste dynamique, mais on travaille vraiment sur les tensions, sur le système nerveux, sur les organes, sur tout ce qui se passe dans tous vos corps pour nettoyer tout ça, pour faire circuler tout ça et pour éliminer ce qu'il y a à éliminer et réveiller ce qui doit être réveillé. Inspirez en haut, expirez en bas. Donc quand on travaille sur ces mouvements des épaules, on travaille aussi sur l'espace du cœur. L'énergie du donner, du recevoir, votre capacité à faire preuve de compassion, à recevoir aussi de la joie, de l'amour. Et on travaille aussi avec les deux hémisphères du cerveau, gauche et droite. C'est pour ça que des fois, quand on fait ça, on peut avoir un petit peu des petits problèmes de coordination. Donc c'est toujours bien de travailler, de faire ces mouvements un petit peu qui enrichissent toutes les parties de notre être et pas seulement le corps physique. Et on inspire, serrez Mula Bandha, retenez le souffle, c'est toujours pareil, et expirez. Et maintenant, on va savourer en faisant des cercles avec la nuque. Au rythme que vous souhaitez, en respirant avec une respiration lente et profonde. Et si vous souhaitez rester à un endroit en particulier, restez. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Parce que des fois, il y a des petites zones qui font du bien. Notamment quand on penche le menton vers le bas. Si vous avez tendance à avoir des problèmes de cervicale, je vous déconseille d'aller trop en arrière. Et on peut partir dans l'autre sens. Et revenez au centre
pour notre dernière posture de ce kriya. Donc, on va se mettre debout. Et peut-être que vous connaissez la posture de la grenouille. Donc, vous allez hop, monter sur la pointe des pieds, comme ceci, je sais pas, j'espère que vous me voyez bien. Donc, on a les talons qui restent en contact tout le temps. On monte sur la pointe des pieds, on va plier un petit peu les genoux pour pouvoir mettre le bout des doigts au sol si on n'est pas assez souple, sinon on peut le faire les jambes tendues. Et on regarde vers nos jambes. Et ensuite, on va plier les genoux comme ceci et regarder vers l'avant. Donc, on va inspirer jambes tendues et expirer, on plie les jambes, d'accord? Donc ça, c'est la grenouille. On reste tout le temps sur la pointe des pieds. Donc, je vous conseille d'enlever peut-être votre petit pull si vous avez chaud ou pas, ou de vraiment vous mettre à l'aise, attacher peut-être les cheveux, comme moi. Et l'idée, ça serait d'essayer d'en faire 26 ou peut-être 54 si vous avez l'habitude de ce mouvement. Ou juste 13, ou juste 5, ou juste un petit peu. Si vous avez mal au genou, vous pouvez placer une chaise devant et faire juste ce mouvement-là. D'accord? Comme ceci. Et pour les autres, c'est parti. Donc on inspire dans cette posture sur la pointe des pieds, les talons en contact, et on expire en avant. Allez. Et quand vous arrivez à 26, vous tendez les jambes, vous posez les talons au sol et vous relâchez tout le corps vers l'avant. Comme si vous étiez une poupée de chiffon. Et ensuite, vous revenez vous asseoir. Donc ça dynamise bien en général. Donc, ça fait des jambes de déesse, cet exercice. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre une musique un peu plus motivante que la mienne et à y aller parce que c'est après, ça donne vraiment la pêche, on se sent bien. Et ça s'appelle la grenouille. Donc, si vous voulez regarder ou si vous voulez juste faire des grenouilles le matin avec le chat et la vache, ça peut suffire, c'est très bien aussi. Donc, avant de se détendre dans Shavasana, j'ai choisi une méditation qui est une méditation qui va travailler sur les émotions. Donc, je vous invite à boire ce verre d'eau que je vous avais demandé en début de pratique. Puisqu'il faut être absolument hydraté pour cette méditation. Prenez un coussin, un support, un bloc sous les fesses si besoin. Retrouvez votre souffle. On va faire cette méditation pour la gestion des émotions qui s'appelle Shunya Antara Kriya. Donc je ne demande pas de retenir le nom. Toujours des noms très poétiques, mais un petit peu difficiles à retenir. L'idée, c'est que c'est une méditation qui va vous aider à retrouver votre équilibre émotionnel. Donc, c'est assez vague, mais c'est ça qui est bien, c'est que justement, quand on est submergé par une émotion, quelle qu'elle soit en particulier, souvent négative, hein, si c'est une émotion positive, on n'a rien besoin de faire, en général. Donc, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous vous sentez pas très bien, Emma, vous pouvez penser à faire de suite cette petite méditation et 3 minutes suffiront à vous transformer et à vous mettre dans un autre état. Donc, pour cela, on va placer nos mains sous nos aisselles. Donc, vous voyez,
j'attrape le dessous de mes bras, j'ai les pouces devant, peu importe le bras qui est devant, ça n'a aucune importance. Et on va plaquer nos bras comme si on voulait les bloquer, nos mains, sous les aisselles. Ensuite, vous allez monter vos épaules vers les oreilles et vous allez baisser le menton. Fermez les yeux. Et vous allez commencer à respirer calmement par le nez, sans forcer la respiration, mais simplement en essayant de la ralentir. Donc pour ralentir votre respiration, essayez d'allonger les inspires et d'allonger les expires. Donc le menton est rentré vers l'intérieur, on ferme le verrou de la gorge. On monte les épaules vers les oreilles. Et on va essayer de baisser notre fréquence respiratoire. On va essayer de respirer 4 fois en 1 minute. Fermez les yeux. Donc ce kriya est très bon pour les hommes ou pour les femmes. L'idée, c'est de le pratiquer lorsque vous avez envie de crier, quand vous avez envie d'hurler, quand vous en avez marre, quand vous êtes énervé, quand vous vous sentez dans l'insécurité aussi, lorsque vous vous sentez bouleversé ou lorsque vous êtes inquiet. Et en général, lorsque l'on n'est pas assez hydraté, on a tendance à se sentir anxieux plus facilement, à se sentir plus inquiet, plus dans l'insécurité. Donc c'est toujours bon de boire. C'est pour ça que je vous ai demandé de boire avant. Donc, vous buvez un grand verre d'eau et vous faites votre méditation. Donc, en général, on va respirer environ 15 fois par minute. Mais 4 respirations, c'est tout à fait possible. N'oubliez pas, ne relâchez pas les épaules, gardez-les bien vers les oreilles. Et quand vous portez votre attention à votre respiration, à votre posture, c'est là souvent que vous arrivez à mettre les mauvaises pensées de côté et à vous concentrer sur ce qui est en train de se passer au moment présent. Donc plus d'inquiétude, plus d'insécurité. Concentrez-vous juste sur votre respiration. Et si vous avez besoin de compter en plus, inspirez 7 secondes, retenez le souffle 7 secondes et expirez 6 secondes.
Ça fait 20 secondes et vous faites ça 3 fois et ça voudra dire que vous avez réussi à respirer juste 3 fois en une minute. Et pour terminer cette méditation, vous allez prendre une inspiration profonde par le nez. Retenez légèrement le souffle, gonflez la poitrine, serrez le verrou racine et expirez, relâchez la posture des bras, la posture des mains. Posez les mains sur vos cuisses. Et je vous invite à venir vous allonger pour Shavasana. Essayez de prendre conscience de toute l'énergie que vous avez créée grâce à ces postures dynamiques. Prenez conscience du souffle, du prana que vous avez apporté à votre corps. Et prenez conscience aussi de l'apaisement que vous ont apporté, je l'espère, ces quelques minutes de méditation. Et je vais vous inviter à plier le genou droit et à ramener votre genou sur la poitrine. Et puis, avec votre main gauche, amenez la jambe vers la gauche pour faire une torsion. Ramenez le genou au centre. Reposez la jambe au sol et faites la même chose avec le genou gauche. Ramenez le genou sur la poitrine. Avec la main droite, amenez le genou vers la droite. Puis ramenez le genou au centre et relâchez la jambe au sol. Vous pouvez le faire encore une fois, ce sont les étirements du chat. Donc une torsion avec la jambe droite et une torsion avec la jambe gauche. Et ensuite, vous allez frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Et si vous y arrivez, frottez les plantes de pied aussi l'une contre l'autre. Et ensuite, attrapez l'arrière de vos genoux et roulez plusieurs fois sur la colonne pour revenir vous asseoir. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et nous allons placer les paumes de main l'une contre l'autre. Les pouces sur le sternum. Pour fermer l'espace de pratique en chantant le mantra Sat Nam. La vérité est mon identité, je suis la vérité. Avec un long Sat et un petit Nam. Inspirez. Sat.
yeux. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours. Donc, je suis ravie qu'Alian Kaur, vous pourrez trouver mon nom dans les notes de cette vidéo. On va la laisser en ligne. Et j'ai été très contente de vous retrouver donc sur le site de Yogom. Et j'espère que nous pratiquerons peut-être encore ensemble. Ce sera avec plaisir. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Satnam.